Bonjour à tous, c'est Nitroz et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Serveur Skygen. Enfin, si t'es pas con, t'as compris que c'était une nouvelle vidéo, hein? Parce que je vais pas publier plusieurs fois ma vidéo, c'est débile, ok? Bon, allez, c'est parti. Alors, donc je vais présenter mon IS aujourd'hui. Donc, le serveur c'est Skygen, IP dans la description, voilà. Quand vous arrivez sur mon IS avec le warp, vous arrivez sur ce bloc là. Donc oui, les murs c'est pas fini, oui le toit c'est pas fini, ok? Derrière vous il y a une porte. Ici c'est l'endroit où il y a comment dire, mes 9 spawners à golem. Donc ils meurent dans la lave, dans d'atroces souffrances, voilà, dans d'atroces souffrances. Après, si vous voulez, vous pouvez rester AFK ici, c'est un petit endroit caché. Vous cachez là, comme ça les mobs peuvent pas vous toucher. Vous restez AFK. Vous me demandez après, dans ce cas-là, que j'aille vous chercher le fer pendant le temps que vous êtes resté AFK. Par contre, n'essayez pas de me niquer, hein. Parce que s'il n'y a pas de fer dans les coffres et vous me dites que vous êtes resté AFK, c'est que vous êtes con. Ok? Bon. Ici, à gauche, il y a deux spawners à squelette. Voilà. Il y a deux spawners à squelette là. Donc vous vous mettez à côté, ça spawn je crois. Enfin oui, ça spawn. Après vous descendez là, vous descendez, vous descendez. Vous allez ici, il y a tout simplement des squelettes, vous tapez, ça vous fait de l'argent. Et voilà, c'est cool. Ah, casse-toi toi là, purée. Ok. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sur mon IS pour l'instant, j'ai pas beaucoup de fer, mais c'est parce que j'en ai pas plus besoin. Mais je pense que je vais les faire après quand j'aurai fini tout de faire tous mes murs, etc. Voilà, je suis dans le top 2 des IS, hein. Bref, alors ici il y a une petite entrée secrète, voilà, de la mort qui tue qui sert à rien en fait. J'ai fait ça juste pour le lol. Quand vous descendez ici, vous avez une table d'enchant. Level 30, voilà, c'est bien. Hop, on remonte. Après, c'est décoré un peu partout, pareil. Ici, je savais pas quoi mettre. Du coup, j'ai mis une forge. Oui, c'est inutile, mais j'ai quand même mis une forge. Donc là, c'est le four. Là, c'est les machins pour refroidir les armures, une fois qu'on les a faites. Des enclumes, réserve de fer, réserve de charbon, réserve de fer, réserve de charbon. Ici des armures en cuir et là un peu l'atelier où on fait un peu tout, table d'enchant, etc. Là un petit shop, ça on peut demander, ouais je peux avoir un plastron s'il vous plaît, ouais si mère bro, bref, enfin tu m'as compris. Oui, je me sers de beacon pour éclairer, oui j'ai que ça à faire, hein, oui. Là j'avais commencé une salle des coffres, j'ai jamais fini parce qu'elle est dégueulasse et puis parce que j'ai la flemme. Ouais, c'est ça surtout en fait. Là, j'ai un arbre qui a rien de spécial. C'est un arbre. Mais il est cool. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Au milieu, c'est là qu'il y a mon île de spawn, mon bloc de bedrock, je crois. Hop. Je l'ai jamais changé. C'est l'île originelle. Enfin, voilà. Hop. On referme. Et hop. Voilà. Donc, dans ce pilier, il y a le début de mon île, le centre. Là, il y a un petit pilier. J'ai pas fini de décorer parce que j'ai pas le temps. Ici, il y a l'endroit où tout le fer vient. Donc là, par exemple, c'est Sébastien, je crois, qui est AFK en haut. Donc il a pas à me demander, il est trust sur mon IS, mais il aura juste à venir chercher le fer. Donc vous restez AFK en haut et vous me demandez après, je vous donne le fer. Après, voilà, là, je coffre. De stone, de cobble, mais c'est un peu la déj, j'ai plus rien. Ici, là, j'ai commencé à faire un aménagement. J'ai pas fini de décorer parce que j'ai toujours pas le temps. Ici, il y a des grandes rangées qui étaient des hoppers de coffres. C'est donc faire ma cactus. Je viens de la vider quasiment. Donc... Wow. Hop, j'ai 3 étages de ferme. Voilà. Hop, on va descendre. Pourquoi j'ai fait... Ah, j'ai super, j'ai cassé le verre. Ah non, c'est bon. Ah non, j'étais juste aveugle.
Du coup, je disais, voilà, j'ai 3 étages, donc ça produit pas mal. C'est assez rapide, mais j'ai pas besoin de plus. Parce que c'est inutile de faire plus d'orgers, parce que sachant que une fois que le cactus est cassé, bah, les cactus qui sont posés là, ils détruisent les items si les items tombent dessus. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai aussi une petite plateforme en diams parce que j'ai les moyens. C'est parce que ça fait gagner des levels, surtout là en dessous des beacons j'ai pas mis. Il va falloir que j'agrandisse ça. Ici j'avais Tom et Jerry qui avaient commencé à faire un comment on appelle ça déjà, un trieur à Poppy, mais au final il n'y a pas fini. Mais je vais tout détruire, je vais en faire un moi-même, c'est plus simple. Enfin voilà, je crois que c'est à peu près tout. J'ai dû tout montrer, je crois. Ouais, j'ai tout montré. Donc voilà, donc c'était une petite présentation. C'est sûrement l'épisode 1. Je reviendrai quand j'aurai plus avancé, plus fait de ferme. Donc voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Tu connais le topo, abonne-toi, like, partage, fais ce que tu veux, c'est ta vie, je vais pas tout dire non plus, hein. Bon allez, à plus tout le monde.